sera de nouveau un Sheridan à la Maison Blanche. Est-ce que vos gratte-papiers du FBI sont de taille à arrêter les assassins de Sheridan, colonel Amos? J'en doute. Gardez vos impressions pour vous, général Carrington. Vous savez, une investigation a besoin de preuves pour avancer. Je vais mener ma propre enquête et personne ne m'en empêchera. Vous m'entendez, Amos? Personne! Numéro 13 ne sera bientôt plus un problème. Messieurs, nous pouvons lancer les opérations. Allô, Frank? C'est Janet. Je viens de terminer ma ronde. Tu as encore besoin de moi dans le secteur? Ok, je rentre au QG. On dirait que la journée s'annonce plutôt calme, hein? Tu as vu la mer ce matin? Mais qu'est-ce... Attends, je te rappelle. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Doucement. On dirait une blessure par balle. Essayez de bouger vos jambes. Je ne me souviens de rien. Bienvenue sur Score Attribution. Je suis Lucky Shot et je vais vous présenter un gameplay sur 13. Alors, c'est un jeu sorti en 2003 par Ubisoft, évidemment. Et c'est le premier en shell shading. Donc c'est le type de graphisme que vous voyez là. Donc c'est quelque chose un peu style bande dessinée. Et d'ailleurs ça représente, enfin l'histoire de 13 dans ce jeu là forme les 5 premières BD. Donc je vais tout vous présenter tout seul, je pense. J'ai refait le jeu donc je connais un petit peu. Donc normalement je devrais pas trop tourner en rond dans les endroits un peu difficiles, histoire de faire avancer l'histoire et que ce soit pas trop désagréable pour vous. Voilà. Eh oh, vous êtes là? Ok, c'est reparti. Je vais vous conduire au poste de secours. Essayez de marcher. Attention! Oh merde! Moi j'avais beaucoup apprécié ce jeu pour l'histoire. J'avais pas trop fait de multi. Bon là je joue sur PC, mais à la base j'avais fini sur GameCube. Et du coup, il n'y avait pas de multi à l'époque, encore 2003. Parfait, je te l'amène. Et ouais, j'avais vraiment accroché, par contre déçu par alors, la fin. Toujours aucun souvenir? Regardez, j'ai trouvé cette clé dans votre poche. Ça vous dit quelque chose, la Winslow Bank? Tenez. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ok. Allô? Ouais, c'est pas le moment. Ninja. Ah, et j'aime beaucoup aussi les missions d'infiltration dans 13, je les trouve vraiment géantes. Enfin, on s'y prendrait vraiment quoi. Plus on peut utiliser, bon ça paraît con mais en 2003 prendre des objets comme ça du décor, les utiliser pour les foutre sur la gueule d'un mec, moi je trouve ça plutôt cool. Après tac tac. Oh. Ouais, y a pas mal de bugs sur les couteaux, j'ai vu ça. Oula.
animation complètement buggée. Alors, ok, soit il est invincible, ouais. Ok, bon, ça devrait pas trop poser problème. Ok, ça je me souviens. Alors, précision. Yes, yes. Je me rappelle que, étant petit, en 2003, j'étais vraiment jeune, j'avais vraiment lutté pour faire ce niveau, alors que maintenant je m'aperçois que c'est relativement simple, il y a un chemin, les ennemis qui arrivent au fur et à mesure, il n'y a rien de bien compliqué quoi. Il suffit de s'appliquer un peu pour viser, enfin pas comme je fais là, parce que... Tac. En plus, il y a de la diversité au niveau des ennemis, c'est pas tout le temps les mêmes qui respawn. Bon, franchement, il a eu une bonne note, il a été noté par jeuxvideo.com 16 sur 20 à l'époque. Donc, franchement, c'est bon. Si j'ai pas souvenir, il y a un mec ici parce que il y a un kit. Ouais. On va pouvoir en sniper, si je puis dire. Alors, ok. Gravité du truc. Allez, on va s'éclater un peu. Ok. Non, c'est plus rapide comme ça. J'ai envie de vous dire, ça c'est fait. Bon, ça va faire une sorte de petite intro au jeu. Voir si ça vous plaît, la façon dont je parle, etc. Oh, je suis chaud là, c'est cool. Y a personne d'autre à démolir. Nickel. Bon bah voilà. Bien, ce premier niveau fut plutôt intense et riche en sensations. Je vais vous quitter là, tout simplement. Pour n'hésitez pas à laisser des commentaires, vraiment pour nous faire avancer puisque nous sommes plusieurs. Flamlican, donc mon acolyte, va nous faire un playthrough sur Skyrim qui est en cours de préparation. Attends, j'en fais ça, tac tac. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, aimer ou ne pas aimer si vous n'aimez pas. Et à dire ce que vous pensez. Ciao.